Yo tout le monde, c'est SGamer54, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, excusez-moi. Alors c'est juste vraiment très court comme vidéo, c'est pour vous annoncer le résultat, si oui ou non je fais la carrière avec mon cacheur sur WWE 2K18, la réponse est oui. Oui, je ferai bien la... Bah, je remercie déjà toutes les personnes qui ont voté oui ou non dans les commentaires de l'annonce. Je vous remercie à tous pour avoir participé, parce que c'est vrai, j'ai hésité de le faire ou pas. Du coup, bah, la réponse est oui. Ça veut dire qu'on ne fera pas tout de suite de ma carrière. Je pense que j'essaierai de trouver un petit jour pour placer ma carrière. Par contre, il n'y aura pas les musiques hein, de entrées des gâcheurs. Ça sera sûrement des épisodes qui durera peut-être deux ou trois combats. Ça dépend aussi des combats, si ça dure longtemps ou pas. Voilà. Et j'espère que ça va vous plaire. J'espère que vous serez content, vous serez heureux comme tout, que je fasse la carrière avec mon cacheur. Par contre, évidemment, il y aura une mode d'univers. Hein, évidemment, le lundi, le vendredi et un dimanche chaque mois. Un dimanche chaque mois, il y aura le pay-per-view. Ça, le mode d'univers, je touche pas. Ça restera comme ça, le lundi, vendredi et un dimanche. Tous les mois le dimanche tout simplement. Après je pense le mode carrière, je pense je ferai ça le vendredi, bah, pas vendredi parce que ça sera trop de cash. Je pense que ça sera le samedi, qu'il y aura un épisode de ma carrière. Et puis après les autres bah, vendredi ça sera sûrement la suite de Sabaton Online, la suite de Final Fantasy. Faut pas jouer au Final Fantasy les amis, surtout maintenant c'est sur la console, j'aurais plus d'excuses pour faire une petite pause dessus parce que voilà, j'étais sur PC avant, du coup c'était un peu compliqué parce que voilà, sur PC faut j'attends que je sois tout seul, et quand je suis tout seul je profite largement pour jouer au casse VR parce que voilà, il n'y a pas de bruit et voilà, etc. C'est plein de choses comme ça, du coup j'ai plus d'excuses pour bah, pour Final Fantasy. Enfin je continue bah, le week-end prochain, le dimanche prochain tout simplement. On verra quand je serai en repos pendant entre le 16 et le 20. J'ai rien du tout, du coup, je pourrais profiter, faire plusieurs vidéos, etc. Et puis en plus, ce sera la semaine où il y aura le jeu 2K18. Je pense que je ferai peut-être avant une vidéo sur la carrière pro, sur la carrière avec mon cacheur. Je ferai une vidéo pour créer le personnage ensemble, les amis. Et puis voilà, que ça fera beaucoup de contenu sur WWE 2K18. Voilà les amis, c'est vraiment une vidéo très courte pour vous dire, on se retrouvera déjà le... Peut-être samedi prochain, si je croise les doigts, je reçois 3 jours avant la sortie officielle. Comme ça, je vous ferai l'édition collector, la vidéo unboxing de l'édition collector de Cinasos. Voilà, tout ça, je vous ferai la vidéo tranquillement de unboxing. Et puis la première vidéo, ça sera sûrement le 17, le jour de la sortie, pour fêter tout ça, tous ensemble, la sortie de ce nouveau jeu, de ce nouveau opus de 2K18. Voilà, c'est vrai que j'espère que ça va être énorme. J'ai juste regardé les personnages, les niveaux des personnages, même la figure des personnages, Brosseman, il est énorme. Parce qu'ils l'ont trop bien fait. C'est un truc de fou. Du coup, voilà, les amis. Ouais, c'est petite nous essayons pour ceux qui ne comprennent pas, parce que voilà, ils n'ont pas vu la vidéo, ou qui ne comprennent pas pourquoi il n'y a pas eu de vidéo, de live pendant une semaine, parce que voilà, je suis en stage en ce moment, du coup, bah, quand je rentre, il est 19h30, du coup, je suis fatigué, du coup, voilà, je préfère me reposer, parce qu'il faut que je me lève tous les jours à 8h, voilà, même à 7h30, je suis debout. Du coup, le temps de me préparer et tout ça. Et c'est une journée complète. Et du coup, c'est vraiment très très dur pour moi parce que en fait, j'avais plus l'habitude de me lever vers quoi 9h30, 10h dans les zones-là. Mais bon, maintenant, faut que je reprenne le cours normal, tout simplement. Du coup, voilà, ça va être très compliqué pour faire la vidéo. Du coup, pendant la semaine qui arrive, ça sera pareil. Ça veut dire... Il n'y aura que le dimanche prochain une vidéo. Et puis sinon, entre le 16 et le 20, bah là, je peux faire une vidéo tous les jours. Ça serait pas mal pour mettre un petit peu de contenu. Même je ferai des vidéos que je mettrai en privé.
Et quand j'aurai un autre stage, parce que une semaine, la semaine où il y aura le 2K18 qui sortira, l'autre semaine, ça sera 2 semaines, je serai encore en stage et mode de pause et même horaires que j'ai en ce moment. Mon stage, du coup, ça va être très compliqué pour faire des vidéos. Il n'y aura que le dimanche que je pourrai vous faire des lives, des vidéos. Du coup, voilà, que voyez-vous, c'est comme ça. Il faut bien que je bosse un peu. Non, hein, il faut pas rester tout le temps là-dedans. Après, c'est pour ça, moi, mon rêve, c'est monter plus haut sur YouTube, sur ma chaîne, et puis que j'arrive à vivre avec ma passion. Et si j'arrive à atteindre l'objectif là, les amis, bah, je vous dis tout de suite, je reste chez moi et puis je fais des vidéos. Hein, parce que voilà, si je peux gagner ma vie avec ma passion, ça serait énorme pour moi. Et puis comme ça, bah, au moins, comme ça, il y aura tous les jours des vidéos, etc. Voilà, tout simplement. Mais même pour le moment, on est encore très très loin de mon objectif là, mais bon, moi j'y crois. Bon, franchement, je suis sincère avec vous, j'y crois encore, j'y crois vraiment. Parce qu'il faut toujours croire à ses rêves pour réussir, tout simplement. Voilà, les amis, c'était une courte vidéo, ça dure 6 minutes à peu près. Bon, bref, les amis, nous on se retrouve dimanche prochain pour sûrement la suite de carrière manager cette fois-ci. C'est le mode aventure, on va quand même faire. Une semaine de mode aventure, une semaine de mode carrière sur FIFA, puis après il y aura du foot. Du coup, j'arrive vraiment. Je pense tous les week-ends, je pense il y aura 3 ou 4 lives, je pense. Mais là, cette fois-ci, aujourd'hui, je peux pas parce que voilà, je suis un peu malade, du coup, c'est pour ça que j'arrive pas trop à parler en ce moment. Mais bon, après, voilà, j'espère vous comprendrez. Et puis voilà, quoi, tout simplement. Bon, voilà, les amis, je vous laisse ici. Passez une bonne semaine. Vivement ce soir pour Air Inocel que je vais sûrement regarder parce que voilà quand on est fan de cash, bah voilà quand on est fan de cash on regarde quand même le cash. Du coup je vais regarder le pay-per-view tranquillement, c'est à 2h05 sur AB1 et puis sur une autre chaîne pour ceux qui habitent en Belgique, je sais plus quoi parce qu'ils ont changé depuis tout ça. Bref, en tout cas moi je vous dis passez une bonne fin de journée. Une bonne soirée à tous les amis, puis on se retrouve dimanche prochain pour la suite. Allez, salut tout le monde et puis vivement 2K18. Tchuss!